Allez, on y va avec le 50. C'est un... Il s'appelle Diplomatique. Il est né donc le... Il est né quel jour ? Le 10 février, non pas le 29 janvier. Un fils de Vision d'État et Mona l'Escriba, qui a gagné en plat à Gramma, mais surtout qui est la sœur de Moussu l'Escriba, un cheval précoce, excellent cheval d'Auteuil, vainqueur du prix Stanley au mois de mai sur la piste d'Auteuil. C'est donc une liste. C'est aussi la famille de Saint-Métégal, Le Costaud, super cheval de course qui court toujours, vainqueur du Grand Prix d'Europe à Groupe 1 sur l'hippodrome de Merano. Et c'est la famille aussi du fameux Fino, qui avait remporté le président de la République dans les années 60. Allez, on va marcher, et ensuite vous pourrez enchaîner sur le trou, et les juges pourront vous demander de reposer le poulain à pression. On va marcher du côté de Thierry Adnaud avec le 60. Né le 20 avril et non pas le 9 février, et la, c'est un poulain de Relling qui est 218 par One Cool Cat. C'est la touche d'Enrique, Enrique qu'on a bien connu comme étalon polyvalent d'ailleurs, Enrique. Et un pur, pourtant une pure origine de plein, un fils de Baratea, entraîné par Sir Henry Cecil, pour le compte de la famille Niarchos. La troisième mère, c'est Guy Guillon, qui a donné beaucoup de bons chevaux, comme vous pouvez constater sur ce catalogue. Et le 218, elle a remporté une Easton en Allemagne. Elle s'était imposée sur un jour pris sur l'hippodrome de Wissembourg, l'hippodrome classique de l'Alsace, avant de passer la frontière et décrocher une Easton en Allemagne, à Mannheim. Autre. Allez, on va trotter avec le 50. Non, c'est bon. Il y a plus un cheval, il y a Irévo Béton, il me restait tout seul.